La petite poule rousse. Il était une fois une petite poule rousse. Quoi ? Elle habitait dans une petite maison à la campagne avec ses trois poussins. Un jour, en partant chercher de la nourriture pour ses poussins, elle trouva des grains de blé. Au lieu de les picorer, elle décida de les planter. Elle alla voir son ami le lapin. Mon ami lapin, peux-tu m'aider à planter ces grains de blé, s'il te plaît ? Oui, je vais bien t'aider. Les deux amis plantèrent le blé ensemble. Le blé poussa. Quand il fut mûr, la petite poule alla voir son ami le chat. Miaou ! Mon ami chat, peux-tu m'aider à couper ce blé, s'il te plaît ? Oui, je veux bien t'aider. Les deux amis coupèrent le blé ensemble. Miaou ! Quand le blé fut coupé, la petite poule alla voir son ami le chien. Ouaf, mon ami chien, peux-tu m'aider à battre ce blé, s'il te plaît ? Oui, je veux bien t'aider. Les deux amis battirent le blé ensemble. Quand le blé fut battu, la petite poule alla voir son ami le canard. Mon ami canard, peux-tu m'aider à porter ce blé au moulin, s'il te plaît ? Oui, je veux bien t'aider. Quand la farine fut prête, la petite poule appela ses amis, le lapin, le chat, le chien et le canard. Pouvez-vous m'aider à préparer un beau gâteau avec cette farine, s'il vous plaît ? Oui, nous voulons bien t'aider. Et les cinq amis cuisinèrent un délicieux gâteau ensemble. Quand le gâteau fut cuit, les cinq amis et les poussins savourèrent ce succulent gâteau. Soudain, quelqu'un frappa la porte. C'était le voisin, le coq, qui avait senti la bonne odeur du gâteau. Cocorico ! Les cinq amis invitèrent le coq à déguster le gâteau avec eux et chacun passa un excellent moment. Moralité : dans la vie, il faut toujours aider et partager.